déplacer cette affaire. Poutier par 400 environ au cachot. Après leur chef démarqué, Bob Desjardins n'est pas d'action. Pardon, chacun 1-2 minutes. Et là, là, ça vient d'entreprendre sur le banc des punitions. Steven Oligny qui s'en est pris à Chris Loutier sur le banc des punitions. Et là, la mêlée qui a éclaté. Là, Steven Oligny était incontrôlable, mais là, Cloutier était revenu par le juge de ligne qui est embarqué sur le banc des punitions. Mais la chose ici, c'est qu'il n'y a pas de baie vitrée devant le banc des punitions. Là, Cloutier doit être revenu encore une fois alors qu'on va amener Oligny à l'extérieur de la patinoire. Je crois que son match sera terminé. Gates se dirige immédiatement vers Hamilton qui est en défensive complètement à l'extérieur du jeu du territoire du ProLab. On voit qu'on veut avoir une escalade, là ça repart à coup de bâton au bas des pénalités. Faut calmer Hamilton. Hey Gates, il est fou! Hey, ça se lance à coup d'hockey! Commande, commande! Là, Hamilton il va sur Gates dans le bas des pénalités! Wow. Oh, quel combat! Là, Gates vient de tomber sous Hamilton! Là, on a vu tout ce qu'on a vu, c'est les coups de bâton, se donner de chaque côté, là. Et là, Hamilton est sur Gates dans le bas des pénalités. Les policiers interviennent. Oh! C'est pas très beau, ça, Fred. C'est vraiment pas beau. Et le marqueur qui est entre les deux, qui a dû recevoir des coups de bâton, là. Et là, Deschamps.
Oh! On sent pas sa place, Mario. Non, ça, j'ai pas vu comment ça a commenté. Mais j'ai... Fred, je l'ai dit, on a perdu du côté de Bégin l'occasion de régler ça tout de suite en partant. Et c'est pas ça qu'on a fait, là. Elle a un coup de bâton de même, là. Ça a pas de bon sens. Le marqueur entre les deux, c'est de la vraie folie, ça. Mais là, Fred, je comprends le spectacle, là, mais on a laissé Gates s'en aller sur Hamilton avec quatre coups d'hockey avant qu'on réagisse. On est allé avec des coups de bâton des deux côtés. On aurait dû expulser les deux joueurs. Mais là, au banc des pénalités, Gates y allait avec cœur sur Hamilton et Hamilton a répondu aussi. Et là, Gates veut prendre. Il est en train de vouloir bousculer tout le monde, là. Ouais, Gates veut Hamilton. Là, il lui dit à l'extérieur. Laissez-la aller sur la bâtiment, Fred. Là, Gates. Hey, il y a eu des coups de bâton là, extrêmement violents qui se sont donnés là. Oh! C'était vraiment pas beau, là. Ah non, c'était pas chic. Oh, c'était pas beau, là. Et là, on regarde des gens, là. Hey, Gates, il a été avec beaucoup, beaucoup de cœur. Et Hamilton qui a répondu. Les Gougounes de Verdun. Et voilà Picard et Malouin qui l'amènent sur la glace en lui disant de se calmer. Dominique, je ne sais pas quel malheur me frappe. C'est la deuxième rencontre que je viens à cette saison avec ta compagnie. Et c'est la deuxième rencontre que je passe. Exactement. Et je ne l'avais même pas vécu à une saison complète l'an dernier. Là, la sécurité qui est là également. Là. Donc les hostilités s'arrêtent immédiatement.
Laurent Diaby qui est en danger en lançant de l'eau. Et Picard qui va tenter de le contrôler. Évidemment, il y aura probablement expulsion du côté de Jonathan Ligny. Ça va sûrement être quelques matchs de suspense. J'ai mes excuses à la fin du festival de Ligny. On va en savoir Jonathan Diaby également. On va l'envoyer au vestiaire.